Autre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Une image d'unité hier soir, place de la République à Paris. 20 000 personnes contre l'antisémitisme, mais en Alsace, la communauté juive réclame des actes après la nouvelle profanation d'un cimetière un peu plus tôt près de Strasbourg. Alexandre Benalla a dormi à la prison de la santé. Décision des juges hier soir avant une nouvelle épreuve pour l'ex-chargé de mission de l'Elysée. La commission d'enquête du Sénat va faire un signalement à la justice aujourd'hui pour un soupçon de parjure. On vous explique ça dès le début de ce journal. Les pouvoirs publics obligés d'assouplir légèrement. Les seuils des sanctions pour conduite en état d'ivresse, les marges d'erreur n'étaient pas respectées. Et puis le foot, l'OL a tenu hier soir face au Barça 0-0 en Ligue des Champions. Le temps en copie double d'ici 6h30. Alors en Dordogne, à Sarlat, des brouillards 2 degrés ce matin, plein soleil et 17 degrés cet après-midi. RTL matin. Alexandre Benalla a donc dormi derrière les barreaux. Et précisément à la prison de la santé. C'est une information RTL. Les juges ont estimé qu'il avait violé son contrôle judiciaire. Et les ennuis ne sont pas terminés pour l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. La commission d'enquête du Sénat rend son rapport aujourd'hui. Elle va saisir la justice. Oui, conséquence des mensonges proférés par Alexandre Benalla devant les sénateurs. Une première fois en septembre, la seconde le mois dernier. Et les sénateurs ont noté entre ces deux auditions des incohérences dans ce qu'il notamment sur l'histoire des passeports. Benalla disait les avoir rendus dès le mois de juillet. On apprenait qu'il s'en était en réalité beaucoup servi. Pareil avec le contrat russe auquel il semble être mêlé alors qu'il avait nié toute implication. Or, il a prêté serment. Il a juré de dire la vérité. Et mentir sous serment, c'est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et on ne rigole pas avec la loi ni avec le président de la commission, Philippe Bach, qui va donc demander tout à l'heure que soit saisi le procureur de la... La République qui pourra ensuite décider lui d'ouvrir une enquête, une procédure extrêmement rare hein, depuis 1958, seul un cas de faux témoignage a entraîné des poursuites. Il s'agit d'un pneumologue qui avait témoigné en 2015 devant une commission chargée d'enquêter sur la pollution de l'air, oubliant de préciser qu'il était payé par Total. La justice l'a condamné l'an dernier à 20 000 euros d'amende. Merci Dominique Tenza. La France a affiché hier soir son unité face à l'antisémitisme. Il y avait 20 000 personnes place de la. La République à Paris, parmi lesquels le Premier ministre, de nombreux chefs de parti, deux anciens présidents aussi, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Assez peu de jeunes regrettent les organisateurs, mais ceux qui étaient là ont pris la parole, que ce soit à Paris, mais aussi en région. À Dunkerque, par exemple, Johan faisait partie des 40 000 manifestants réunis sur le parvis des droits de l'homme. C'est un symbole fort. À chaque fois que la République a été attaquée, on s'est réunis ici. Je me souviens notamment lors des attentats, Charlie Hebdo, on est venu ici, l'épisode du Bataclan, on est venu ici. Et là, on vient ici parce qu'il y a une recrudescence des actes antisémites dans le pays. Voilà, c'est symbolique, ça a été des prises de parole, mais ça fait du bien. Ça... Ça nous renforce chacun dans notre citoyenneté et ça nous encourage à ne pas perdre espoir. Ouais, il faut le montrer et puis de voir que tous les, les partis politiques, euh, même s'ils se font la guéguerre, euh, que ce soit dans des conseils locaux ou à l'Assemblée nationale, euh, là, ils étaient tous ensemble et dans, dans une, une ambiance correcte, calme. Euh, voilà. Donc, la République est forte euh, grâce à ce genre de, de rassemblement. Voilà, Johan, l'un des 400 manifestants euh, réunis hier à Dunkerque, propos recueillis pour RTL par Emmanuel Boin. Et au matin de cette mobilisation, 96 tombes juives du cimetière de Katzenheim en Alsace ont été découvertes profanées. La police scientifique a travaillé toute la journée pour recueillir des indices, outre les croix gamées taguées sur les pierres tombales. Le nom d'un ancien groupuscule autonomiste a été découvert. Le président du Consistoire israélite, du barin Maurice Dahan, constatait hier les dégâts entre indignation et colère. C'est terrible de devoir être dans la réaction en permanence. Il est temps que la République tout entière se mette dans l'action et plus dans la réaction. Parce que la réaction, vous voulez que je vous dise quoi Que je suis ému, que je suis révolté, mais qui ne le serait pas dans cette situation Ça suffit. Parce que vous les voyez ici, toutes ces tombes, avec ces croix gamées jaunes, comme de certains nostalgiques, d'une étoile jaune. Ces croix gamées, elles ont été faites par qui Par des poltrons, des peureux qui viennent la nuit, qui sortent comme des rats la nuit. C'est tout, c'est rien d'autre. Ils n'ont aucun courage, aucune force. Comme si ça ne suffisait pas. Il ne faut pas seulement tuer les juifs, il faut même tuer leur histoire, il faut tuer leur tombe, il faut tuer leur existence. Eh bien non, ça n'arrivera pas, qu'ils se le disent tous. Nous serons là et nous continuerons d'être là. Nous sommes des citoyens de ce pays et nous vivrons en respectant et en amoureux des valeurs de la République et nous serons toujours là que pour ça. Le président du consistoire israélite du Barin avec Dimitri Ramelot pour RTL. Emmanuel Macron s'était rendu sur place avant de participer hier à une courte cérémonie au mémorial de la Shoah à Paris. Le chef de l'État sera ce soir l'invité d'honneur du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France. Et hier soir, aux côtés d'Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah, il y avait Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux sur RTL à 7h45. Et puis à 8h20, c'est le président du consistoire de Paris, Joël Mergui, qui sera sera notre invité ici sur, sur RTL. On marque une très courte pause dans ce journal et dans un instant, tendez l'oreille, on va parler d'une faille dans les contrôles d'alcoolémie. Elle oblige les pouvoirs publics à assouplir légèrement les seuils de tolérance pour les conducteurs. À tout de suite sur RTL. Et la suite de votre journal à 6h et 6 minutes sur RTL. L'État est donc contraint d'assouplir légèrement les règles sur l'alcool au volant. C'est une information du canard enchaîné ce matin. On sait que pour les contrôles radar, il y a une marge d'erreur. Eh bien, elle doit être aussi appliquée pour les contrôles d'alcoolémie. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. La justice vient de donner raison à des automobilistes sanctionnés, Martial oui, ce sont les fabricants de l'éthylomètre qui l'écrivent eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de garantir une exactitude parfaite du résultat. Il y a donc un seuil d'erreur fixé à 8% et qui n'apparaît pas au moment du contrôle. Il faut le calculer après. Autrement dit, le seuil légal de 0,4 qui vous fait basculer dans le délai routier avec suspension de permis, confiscation du véhicule pendant plusieurs mois, eh bien ce seuil vient de remonter si on calcule la marge d'erreur à... 0,43 mg. Le préfet ne peut plus vous obliger à laisser la voiture sur le bas-côté s'il n'y a que 0,4 ou 0,41 qui s'affiche. Alors attention néanmoins, si vous êtes contrôlé dans cette marge d'erreur, vous allez quand même prendre une amende et vous faire retirer 6 points sur le permis, mais ce n'est plus... Un délit. Cette décision n'est pas rétroactive. Elle ne s'applique qu'à ceux qui sont en cours de procédure. Mais ça va quand même changer l'avenir des contrôles routiers. Il va falloir s'habituer maintenant à ce nouveau seuil maximal de 0,43. Merci Martial You. Les vendeurs de chaussures réclament un changement de règles sur les rabais. C'est une info RTL. Leur représentant demande qu'il n'y ait plus de réduction au-delà de 20% tout au long de l'année, et ce pour que les soldes restent efficaces. Et justement, Philippe Dacan, qui est le président de ces, de ces détaillants de chaussures en, en France, va tout nous expliquer. Dans moins de 10 minutes sur RTL, il sera notre invité. Air France sort d'une longue période de tension avec ses pilotes après une année marquée par plusieurs périodes de grève. 85% d'entre eux se sont prononcés en faveur de l'accord conclu avec la direction. Il faut dire qu'il prévoit 8% d'augmentation. On y reviendra avec notre expert, Christian Menanteau, juste avant 7h. Pour l'heure, 6h, 8 minutes en France, en Allemagne, en Italie, toute l'Europe et même le monde entier salue la mémoire de Karl Lagerfeld. Le styliste et photographe est mort à 85 ans, directeur artistique de Chanel, mais aussi directeur à vie de Fendi. Le coup Romain, pour lequel il travaillait depuis les années 60, tous saluent sa passion de la modernité. Quant à nous, bien sûr, on se souvient de son look, de son exubérance et aussi de son ironie, de sa répartie, comme par exemple lorsqu'il évoquait sa propre mort sur le divan de Marc-Olivier Fogiel il y a quatre ans. Si un jour je meurs, je ne voulais pas d'enterrement non plus. Je trouve ça horrible. Vous voulez quoi alors Rien, disparaître. Hein comme les, les animaux de la, la forêt vierge, je trouve ça beaucoup plus élégant. Hein. C'est horrible d'encombrer les gens avec ce reste. <laughs> la Karl Lagerfeld en 2015 sur France 3. Et dans une heure, l'hommage en exclusivité de son euh, ami sur RTL, Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Pour l'heure, le foot et l'Olympique lyonnais qui a gagné le droit d'y croire encore pendant trois semaines. 0-0 hier soir face au Barça en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. L'OL a résisté aux assauts de Lionel Messi grâce notamment à son gardien Anthony Lopez. Le capitaine Nabil Fekir, suspendu hier, sera sur le terrain. À Barcelone pour le match retour le 13 mars. Dans l'autre rencontre de la soirée, Liverpool et le Bayern ont fait match nul également 0-0. C'est noté. Merci beaucoup, Jérôme. Et à tout à l'heure à, à, à heure. 7 heures. Le temps.